Salut Stix, c'est Vanaxul et bienvenue dans Passé Décomposé, la série de vidéos dans laquelle j'essaie de revisiter des morceaux que je connais et qui pour moi sont des classiques d'un genre ou qui m'ont marqué lors de mes écoutes depuis que je suis tout petit ou qui en tout cas ont apporté une petite pierre à l'édifice d'un style musical ou qui m'ont permis de m'ouvrir à d'autres horizons. J'espère que vous appréciez cette série de vidéos, c'est ma façon à moi de partager des choses avec vous. Aujourd'hui on attaque un groupe que j'apprécie énormément, c'est Cult of Luna. Ça fait partie de mes groupes préférés dans le sens où déjà je trouve que ils ont une qualité d'écriture complètement exceptionnelle. Et le gros point fort que je trouve chez eux, c'est qu'aucun album n'est à jeter. Tout est qualitatif, tout a une qualité extraordinaire. Et ça, c'est rare pour le souligner. Le morceau que je voulais utiliser aujourd'hui, c'est Dark City Dead Man. La raison, c'est que c'est le morceau qui clôture Somewhere Along the Highway, qui est le premier album de Cult of Luna que j'ai écouté en entier. Il faut savoir que donc, Cult of Luna, c'est un groupe suédois de post-metal, post-core, mettez-le sous le nom que vous voulez. Pionnier de la scène, majeur dans la scène, qui tourne encore maintenant et qui sort des albums complètement fous. Donc là, on est parti pour un morceau de plus de 15 minutes. J'ai mis la version live, parce qu'ils ont sorti un DVD qui est sur leur chaîne YouTube également, qui s'appelle Years in a Day, c'est-à-dire qu'ils retracent un peu leur carrière sur un seul live. Je trouve que pour le rendre hommage, comme il n'y a pas de clip, le voir en live, la qualité du son, elle est complètement folle. Voir ça en live, partager ça avec vous, c'est vraiment... c'est une expérience, vous allez voir. Donc sans plus tarder, Cult of Luna avec Dark City Dead Man, dans le live Years in a Day. Montez le son chez vous. Hein. Ça prend son temps, Cult of Luna. On va avoir le temps que ça monte. Pour moi, le final de ce morceau est juste légendaire. Et c'est un des premiers groupes que j'ai écouté dans ce style et c'est pour ça que je le mets dans cette série de vidéos. Ça m'a ouvert à d'autres choses. Ce petit build-up là. Et on entend mieux les claviers que dans la version album. La grosse basse derrière de synthé. À l'ancienne avec les buzz de modulation et les enveloppes. Limite oppressant, tu vois. On va voyager, hein. We'll be right back.
J'ai eu la chance de les voir 3 fois et c'était exceptionnel à chaque fois. Changement de mood là et les lights qui changent avec. Très fort. Ils nous viennent de la même ville que Meshuga, Umeo, je sais pas comment on prononce. Il doit mettre des choses dans l'eau là-bas. Respire. Clean. Donc on peut faire un show exceptionnel sans faire un stade, tu vois, avec des, avec une intelligence et une réflexion sur le, la façon de gérer les lights et le show, quoi. Parce que sur l'album ils avaient 2 batteurs. Je sais pas s'ils tournent encore avec 2 batteurs maintenant, mais. Tu sens le truc, tu sens le build-up là. Une direction artistique du show complètement, complètement fou. Visuel complètement dingue.
c'est viscéral, tu vois. Passe aux instrus, comme toujours. Je sais pas, il y a un côté apocalyptique. Va exploser.
perfection. C'est incroyable. Incroyable live. Incroyable live. C'était Cult of Luna avec Dark City Dead Man en live dans Years in the Day. Morceau incroyable qui est peut-être pas... En fait, c'est peut-être même pas leur morceau le plus significatif. Loin de là, parce que je trouve qu'il est très... Il a ce côté très répétitif que n'ont pas forcément tous leurs morceaux. Mais ça donne une idée. C'est un des seuls groupes qui me procure autant d'émotions, de puissance. Je sais pas... T'écoutes ce morceau, moi j'ai l'impression d'avoir la fin d'une civilisation, tu vois. À la fin, c'est, t'as l'impression, c'est, je sais pas, ça décrit la fin d'une civilisation, le monde qui s'écroule, enfin quelque chose de chaotique, d'apocalyptique, c'est très très fort dans ce, dans ce qu'ils font. Et en gros, bah, si vous avez pas apprécié ça, je pense pas que vous apprécierez le groupe. Maintenant, à savoir que voilà, ils ont des morceaux plus courts, ils ont des morceaux qui sont moins, comment dire, répétitifs, mais là c'est le morceau qui finit l'album, il faut finir sur une note très répétitive, un truc chaotique. C'est pas un album, c'est un album qui est très très intéressant à écouter, qui est peut-être un de leurs plus calmes d'ailleurs, c'est Somewhere Along the Highway, qui est un album incroyable du début à la fin. Et à savoir que c'est un des groupes qui m'a permis ensuite d'écouter, enfin sans eux j'aurais jamais écouté des Amen Ra, des voilà tous ces groupes autour, Tides from Nebula, des groupes qui ont lorgné du côté post-rock et un peu metal, et qui ont un peu mélangé les deux. J'ai eux en tête, mais il y en a bien sûr plein d'autres. Et je pense que sans Cult of Luna, il y a une bonne... Et sans Isis comme groupe également, même si Isis ne sont plus actifs. Mais ouais, c'est du grand, grand, grand niveau. C'est un grand morceau. La construction du morceau, elle est simple. Vraiment, on a un build-up tout long, ça explose et après on laisse exploser. Et c'est cette qualité aussi sur scène, cette sobriété quand il faut et cette explosion de lumière. C'est pas en mettre plein la gueule tout le temps, c'est en mettre plein la gueule quand il faut. Ça accompagne la musique et on a cette espèce de puissance vraiment viscérale, organique qui se dégage du morceau. Et en tout cas, je vous conseille d'aller écouter quelques morceaux de Cult of Luna, le dernier album qui est très très cool également. C'est vraiment, pour moi, c'est une marque de fabrique. Genre, comme je disais, ils viennent de la même ville que Meshuggah en Suède. Et ils ont ce truc particulier, ils ont ce truc différent. Personne n'avait fait comme eux et personne peut les copier, sinon se faire du comme Cult of Luna, tu vois. Ils ont vraiment ce truc viscéral et c'est des mecs. Moi, je les ai vus trois fois en concert, trois fois c'était incroyable, il y a une énergie folle. Ils donnent, ils font des shows longs. C'était vraiment impressionnant. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire. La vidéo était longue. C'est normal, le morceau est long. J'espère que vous kiffez, mais c'est vraiment cette approche musicale aussi que j'apprécie. Cette espèce de build-up très différent. En fait, c'est pas technique, c'est l'inverse des trucs techniques que j'apprécie. C'est slow, ça prend son temps, ça build quelque chose et cette décharge d'émotion à la fin qui donne vraiment ce petit plus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Allez, à plus, les Stick. Ciao, des bisous.